On s'élance. Putain, j'arrive même plus à parler. Déjà un an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Un an que je vous partage mes petits moments de voyage à travers mes vidéos. Un an. C'est si peu, mais déjà tellement de choses que l'on a pu partager ensemble. Mais, comme vous le savez, tout ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Après la sortie de la première vidéo, on a essayé d'enchaîner. D'enchaîner une vidéo par semaine, en essayant de garder le rythme. 3 mois. C'est le temps que ce rythme a tenu. Puis on est passé une vidéo par mois et depuis peu à une vidéo tous les 2 mois. Garder la motivation n'a pas toujours été simple. Mais qui a dit que ce le serait? Faire des vidéos pour moi, c'est plus que filmer, monter et publier, non. C'est avant tout s'évader, rencontrer, partager, échanger, se surpasser, apprendre, tomber, mais toujours se relever. Monter une vidéo qui parfois ne sortira jamais, mais ce n'est pas grave du moment que les souvenirs, eux, restent gravés. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Flo. J'ai ouvert ma chaîne depuis peu et le seul but, c'est de kiffer, rien d'autre. Je ne suis pas tout seul derrière cette chaîne. Plein de gens participent de près ou de loin à faire vivre la chaîne, à me donner la motivation nécessaire pour repousser mes limites et me suivre dans mes aventures incroyables. Je pourrais les citer, mais la liste est trop longue. Trop. Donc merci. Juste merci à vous. À vous tous. Alors je décide aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, de repartir une deuxième fois, revivre l'expérience, histoire de m'évader, de quitter ma zone de confort et de sortir de cette spirale infernale qu'est la vie d'étudiant. Accompagné de mon frère jumeau et de mon pote Titu, de partir à l'aventure pour retourner aux sources tout là-haut, au sommet d'une île qui vaut le coup d'être explorée. Là où tout a commencé. À l'assaut du Piton des Neiges avec Titouan. Je sais pas comment ça rend avec la cam comme ça. C'est lourd, regarde. C'est gros plan de fou. Putain, dans quelle merde on s'est mis. J'adore, mais j'adore pas en même temps. Non, en fait, je suis content parce que on aura un beau paysage, on aura tout qui sera beau, tu vois. Mais notre corps, il sera pas beau après. C'est ça le truc. Pour l'instant, il pleut pas, il fait beau. Pas comme la première fois où on devait revertir, ouf, où on devait revêtir des kawé, protection de sac. Tout ce qui va avec. Là, il fait beau, il fait chaud. Et tout le monde est content. Oh putain de merde. En fait, là, on est au pied du piton où il neige pas. L'oisillon quoi. Avec la casquette blanche, on dirait un oisillon. Mais tu sais, les pingouins. Ouais. Les pingouins, tu sais, les bébés. Bah, mais lui, il glisse comme un pingouin. Hein? Comment on appelle le bébé d'un pingouin? Oisillon pingouin. Bon, les gars, on a plus, hey, on a plus assez d'oxygène, non? Je sais pas, dis-je que j'ai fait ça pour gratter un peu de temps de recul. Allez. Si, c'est de l'eau potable, voilà. Sinon, pourquoi il laisserait couler? Parce que c'est pas de l'eau potable. C'est pas ce que tu dis. C'est con, ça. Non, mais vaut mieux garder les bouteilles là pour boire, et genre le là, tu remplis de bouteilles pour faire cuire les trucs et de rester de soir et tout. Non, quand tu fais cuire, c'est l'eau fraîche, mec. Faut faire cuire ça que l'eau fraîche. Piton des Neiges. 3h45. Putain, on n'est pas prêt. J'ai du four 1h30. Allez, on est parti! C'est lui qui guide. C'est lui le dragueur. Thank you.
Ah, c'est de l'escalade là. Tu fais un pas, tu prends 2 mètres. Les marches elles font ta taille, con. Je suis pas très grand. Deux tiers fait. Large. Ouais, c'est pas 17 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, on va faire le plein, on va boucher le cabinet et voilà. On va faire une petite pause là-bas. Ah, j'ai bien envie de t'envoler le drone un peu. Non, un peu mieux, je pense à là-haut, non ? Ouais, je pense à là-haut. Oui, il y a rien là-bas. À quel point c'était dur. J'avais oublié. Tu filmes mes couilles. Voilà, petite pote.
petit pote. Le meilleur petit pote réchaud. De la soirée. Ah oui, c'est le meilleur pote ce soir. Tu m'inquiètes. T'inquiète. Ah là là, là les copains, on est en haut du Piton des Neiges. On attend le sunrise. Ce petit soleil qui va se lever, qui va nous réchauffer tous nos membres de notre corps. Ouais. Oh on est pressé, hein, parce que quand on a passé une nuit d'enfer. Pas d'enfer du style torride, mais plutôt enfer noir. Terrible, ouais. Torride, terrible, voilà. C'est couché à 21h. C'est couché à 21h. À 23h, on a cru qu'on avait dormi 8h. Pas du tout. On a dormi 2h. Ça arrivait à 2h, on n'a pas réussi à s'endormir. On a attendu 4h. Voilà. Et là, il est depuis 4h, on est debout. Et on est en train d'essayer de se réchauffer comme on peut. Avec des couvertures de survie, un réchaud, de la bouffe chaude. On essaie de marcher un peu. Voilà. L'aventure. On gratte des bouteilles d'eau au passant. C'est vrai, on n'a plus d'eau. On est parti avec le minimum vital, on va dire. Et là, on est en train de payer les pots cassés. Là, c'est de la survie. Là, c'est de la survie, pur et dur. On est en train de rationner l'eau, vous vous rendez compte? C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Genre pour engorger chacun. En 30 minutes. Engorger toutes les 30 minutes. Pour arriver en bas avec de l'eau, quoi. Ça serait bien. Et en vie, de toute façon. Ça serait mieux, encore. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que ce petit épisode va vous plaire, les copains. Vous savez ce que vous avez à faire. J'ai pas besoin de le répéter à chaque fois. Ça devient chiant à répéter. Et pour vous, je pense à l'entendre aussi. C'est mon chien. Du coup, voilà. Là, j'attends que le soleil se réveille un peu. Qu'il fasse un petit peu plus chaud. Je balance le drone. Je partage un générique avec une petite cinématique de fin. Et ouais, on est bien. Cinématique qui va durer entre 3 et 5 minutes. Oh putain, je mets dans la sauce. Non, pas vrai, j'ai rien dit. Je verrai en fonction de ce que j'ai en contenu. On est littéralement en train de geler. C'est bon pour vous? Là, c'est pas assez bon pour vous pour chercher le rire. Est-ce que c'est vraiment bon pour vous? Là, on a la petite popote là qui fait de la bouffe. Ça se voit? Oui, ça se voit.
enfants, c'est terminé. Le calvaire, enfin. La marche était interminable pour descendre, interminable. Il n'y avait rien de joli à filmer, du coup je ne vous ai rien filmé. On était dans le noir, sous l'ombre des arbres. Interminable.